Chut, mon Lorsque fort. La ville seigneur de Plus fort fut banni pour la première fois, l'Empire connut une ère qui dura plus de 300 ans. Déserté et laissé à l'abandon, les sinistres châteaux qu'il avait bâtis tombèrent peu à peu en ruine et les habitants des campagnes cessèrent de vivre dans la peur. Les années passèrent. Les villageois reprirent progressivement une vie normale et sans souci. Et le secret de la puissante magie Kuji fut scellé dans d'anciens hôtels. Mais un jour, tout bascula. Pourquoi je peux pas ? J'ai grave l'impression que c'est Seb qui... au-dessus des montagnes. J'ai l'impression que c'est Seb du grenier qui fait... ...commencèrent à tourmenter les plaines. Du haut de la montagne où les ninjas vivaient et s'entraînaient, le maître ninja comprit que la situation était grave, très grave. Des rumeurs évoquaient de mystérieux samouraïs rôdant dans les forêts pour capturer les animaux. Oh, tu as un lapin. Waouh ! Quel dessein ? Nul ne le savait. À l'insu de tous, le seigneur de guerre était revenu et avait entrepris de former une armée maléfique dans le but de régner sur le monde. Il utilisait la magie Kuji interdite pour asservir d'innocents animaux, les transformant en guerriers qui lui obéissaient au doigt et à l'œil. Ah mais c'est la version ninja de Sonic! Il envoya ses serviteurs reconquérir ses anciens châteaux, dont il se servit ensuite pour terroriser les... On va attaquer Samouraï Robotnik! Mais son plan avait une faille. En utilisant la magie Kuji, c'est le scénar de Sonic à la base. Il avait de nouveau perturbé l'équilibre de la nature, attirant la colère des dieux sous forme de tempêtes dévastatrices. Plus son armée grandissait, plus les éléments se déchaînaient. Si le maître ninja ne savait pas tout cela, il savait qu'éclaircir ce mystère était essentiel. Il avait fait le serment de protéger l'équilibre de la nature, et il était bien décidé à honorer cette promesse. Il prit alors une décision. Il envoya son disciple le plus doué enquêter sur l'origine des tempêtes. On est dans la taupe. Car c'est moi ! Plusieurs lunes passèrent, mais le ninja ne revenait pas. Tu vois ? Le maître envoya alors une autre. Je vous ai déjà dit que mon sens d'orientation est aussi pointu que le sens d'une poignée de porte. Tu vois. Un troisième ninja, puis un quatrième, sans plus de résultats. Il ne restait alors plus que deux ninjas au village. Deux apprentis à qui le maître n'a jamais confié une mission aussi périlleuse. Les plus nuls. Il ne reste plus que les Mais plus le nuls. Le monde courait à sa perte. Et son destin. C'est la fin du monde, il ne reste plus que deux ninjas nuls. Deux ninjas nuls. De ces deux jeunes garçons. Les boulets siamois. Sauver le monde, les gars. Hiro, je suis content de t'avoir trouvé. Je n'ai de la ça que le nom. Grave, très grave. Je suis allé parler au chef du village au pied de la montagne pour voir s'il avait des nouvelles de nos amis ninjas disparus. Ce n'était pas le cas, mais il m'a raconté une histoire bien étrange. Dans la forêt de l'autre côté de la rivière, il a vu des samouraïs portant des drapeaux ornés d'un mystérieux symbole. D'après lui, ces samouraïs chassaient les animaux et les emmenaient au cœur de la forêt de jade. Il n'y a qu'une chose dans cette direction. Aïe ! Le vieux château que je croyais abandonné depuis longtemps. Hiro, tu dois vite terminer ton entraînement. Ensuite, redescends les escaliers, Hiro. Et rends-toi au château. Et quand tu réussiras à descendre les escaliers, tu trouveras peut-être la clé de ce mystère. Et pour t'aider, tu passeras la barricade. J'ai demandé de confectionner des chapeaux. Ce ne sont pas des chapeaux ordinaires. Ils sont faits d'un matériau spécial, capable par exemple de repousser les flèches. Rejoins vite le dojo et parle à Zen. Il terminera ton entraînement. Quand tu auras terminé, viens vite me retrouver aux portes du village. Très, tu as obtenu un chapeau ninja. Yes! Non. Non. Pardon, boss. Voilà. Je peux être un ninja désormais. Oh, j'adore. Va au dojo pour commencer ton entraînement si tu es perdu. J'ai
Je descends les escaliers. Je suis une daube. Je dois atteindre le voisin. Je suis perdu. Il faut que tu sauves l'humanité. Écoute, héros. Tu n'es pas un héros, héros. Oh. Vous êtes zen? Ah, bonjour. Le village semble bien vide. Depuis que tous tes amis sont partis, tu ne trouves pas? Où sont-ils à présent? Bah, mort. Ou pas là. Ou les deux. Ah, on peut fouiller. Ok. Vous aussi, vous... fouillez comme ça? Oh, la violence de cette fouille. Ah, je vous dis, ça n'a pas été comme ça hein, quand j'ai passé la douane à Atlanta, et heureusement. Parce que je vous dis pas l'état de des gants. Est-ce que je me noie si je fais ça? Je m'auto-soule, je vous jure, je m'auto-soule. Tellement stylé! Et maintenant, j'ai la musique de le manège hyper hyper diabolique, satanique à Euro Disney. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est pas bon, mon ami. Te voilà. As-tu parlé au maître ninja? Oui. Nous traversons une période étrange, ninja. D'abord les tempêtes, puis ces mystérieuses disparitions. Je me demande ce que cela signifie. Bah, me parle pas si tu sais pas! Je suis en train de te défoncer le village de ninja. Il faut que j'aille en mission. Je vais tout exploser, je te jure. Est-ce qu'on peut faire tomber des... Oh, si. Moi, je suis là pour apprendre à être un ninja. Si je peux tout péter avant. On m'a dit que le maître comptait envoyer découvrir l'origine des tempêtes. Tu devras mettre ton entraînement en pratique, jeune ninja. Ce n'est pas une mission à prendre à la légère. Mais par contre, j'aimerais qu'on installe plutôt des escalators à la sortie des dojos, parce que je saurais pas tout maîtriser. Les tempêtes et en même temps... en même temps, l'escalier ne m'obligeait pas à faire tout ça en même temps, c'est pas évident, évident. Hein. Oh, mignon. Binou, viens là, Binou. Bonjour, je suis là pour l'enseignement. Si je peux exploser votre dojo avant. Ah! Ah, Hiro. Je commençais à m'impatienter. Est-ce que je suis nul en orientation? Le maître m'a demandé de terminer ton entraînement au plus vite. Oui, seigneur... Notre séance sera seigneur donc Sébastien un peu du grenier. Nous allons revoir les bases une dernière fois, et ensuite... Tu passeras l'épreuve finale. On n'a qu'à dire que c'est que qu'on va revoir les bases pour la première fois. Ça passe aussi. Allez, essaie d'attaquer mon assistant lorsqu'il apparaîtra. Fais qu'un coup de cata. Bonjour, je suis là pour le café. C'est pour ton entraînement, Hiro. Ah, est-ce que j'ai réussi à toucher l'assistant? Oui. Bien joué, hein. Bien joué, Orion. Ouais. En plus, il a... Bon travail, Hiro. En plus, il a cette un petit son... Mon assistant essaiera de se défendre. Dans une telle situation, tu dois d'abord percer ses défenses avec un coup puissant. Excellent. Maintenant, enchaîne avec une attaque. Pauvre attention, assistant. L'ennemi ne reste pas longtemps étourdi. Essaie à nouveau de percer ses défenses. Très bien, Hiro. Tu as un sacré talent. Évidemment, un pour l'humiliation. Contrairement à un seul adversaire à la fois. Oh, ils font de la peine! Les gars, vous me faites de la peine. Excellent. Tu fais des progrès, jeune ninja. Et laisse-moi voir ce que je peux faire avec un escalier. Mais inutile de se précipiter. Le temps presse, c'est la fin du monde. Mais vaut mieux pas se précipiter quand même. Évidemment, ton ami Futo n'est toujours pas là. Si je le prends encore à me voler des pommes... Oh oui, c'est eux. Si, c'est photo, bien sûr. Les pommes, ouais, grave. Ah, de l'arbre. Oui, mais évidemment, bien sûr. Rends-moi service. Va donc voir s'il n'est pas sur la colline.
Ça fait, il y a des herbes de Lego Ninja. Le principal du dojo et va tout droit jusqu'à la colline. Tu le trouveras sûrement près de mon pommier. Il y a pas. Ouais, il y a quand même pas mal de points de sauvegarde. Ouh. Ouh. Ça fait peur. Près des ennemis. Ok, maintiens alté pour parer. Très bien. Oh! Ouh! J'ai gagné un niveau? Récompense niveau supplémentaire. Sprint. Tu as appris à sprinter. Maintiens B pour faire des courses d'accélération. Mais attention, cette action t'épuisera. Oh, stylé. Oh, mais c'est trop stylé! C'est trop. J'adore! Ok, droite, gauche, droite, gauche. Le saut droite, gauche. Une Prince of Persia. Oh, ça me donne envie de refaire Prince of Persia. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est la team qui sauve le monde, hein, je vous rappelle. J'ai la musique de Mirror's Edge, du coup. Bonjour, vous êtes perdu? Oh, c'est trop Choupix! C'est giga Choupix. Oh, ok, très bien. On acquiert les personnages. On team up. Tu as trouvé Futo. Le meilleur ami de Hiro est aussi le plus costaud des ninjas. Il saura s'occuper des ennemis de grande taille. Wouah! Ok. Ah, tu l'as trouvé, bravo. Parfois, je me demande pas d'escalier à franchir. Seriez l'un sans l'autre. Avant de poursuivre ton entraînement, tu devrais peut-être appeler ton ami Futo. Sache que tes amis ne sont jamais loin, toujours prêts à répondre à ton appel. Oh, c'est marrant. Futo, alors tu daignes enfin te montrer. Bien, c'est à ton tour de t'entraîner. Essaie de battre mes assistants avec ton marteau. Ça a l'air d'aller. Ouah. Très les soirées Spring Break. Ta technique est inhabituelle, mais efficace. Je confirme. Tu sais, Hiro, j'enseigne la voix du ninja depuis des siècles, mais aucun de mes disciples n'a jamais montré d'affinité pour la magie Kuji. À vrai dire, tu es le premier de mes élèves à posséder un tel don. C'est-à-dire que c'est soit tu sais descendre l'escalier, soit tu maîtrises un pouvoir divin. Les deux en même temps, c'est pas possible parce que c'est d'une complexité rare. La magie Kuji permet d'exploiter l'énergie naturelle présente dans le monde des esprits. Une dimension parallèle à la nôtre. Faisons ça. Alors, l'objet. Ah, j'adore! Des papillons! Des papillons! Des papillons! Des papillons, des papillons, stylé! Oh! Grotte de l'illumination. On va avoir Shiryu qui est là, torse nu. En train d'attendre qu'il se passe un truc. Comme ça. J'ai pas dit top départ, c'est pour ça. Les endroits, la grotte cachée magique est indiquée par la présence d'Illusioul. Oh, ambiance, ambiance. Musique qui fait peur. C'est quoi ça? Champignon, pleurote? Qu'est-ce que c'est? Pic d'Ashida. Pas s'asseoir dessus, hein. Sinon le plop garantit la fraîcheur. Ok, quoi d'autre? Oh. Oh, c'est bon. Forme spirituelle permet à Hiro d'atteindre le monde des esprits temporairement et peut alors posséder l'esprit d'autres êtres vivants et les contrôler. Et je peux passer les escaliers en possédant un corps. Ok. Ah, je vois que tu as réussi à trouver et révéler le sort. Vous saviez où était le... Excellent. Le maître avait c'était raison. Tu sembles réellement avoir le don. Déplace l'esprit de Hiro sur le lapin.
Oh, qu'est-ce que tu... Pardon ? Oh, truite, là ! Bien joué, Hiro. Une forme de petite taille te rend plus difficile à repérer. Ok, stylé. Sache également que l'odorat développé des trop animaux bien. Leur trop, permet trop bien. De trouver des objets de valeur, ainsi que des ingrédients de potions. Trop bien. Et je peux même me déplacer rapidement ! Est-ce que je peux drifter ? Est-ce que je peux attaquer ? Non, je tape par terre ! Dans la jungle, terrible jungle. Attends, on va faire un test. Bravo ! Tu peux maintenant contrôler les animaux que tu rencontres. Il y en a de nombreuses espèces rien que dans ton village. Passe me voir si tu veux apprendre à préparer des potions. C'est vraiment la fin de rendez-vous cringe la plus chelou, tu vois. Appelle-moi si tu veux faire des potions. Wow, wow, le mec il dit qu'il peut prendre n'importe quel animal et le gars ressemble à un oiseau. Monsieur, s'il vous plaît. OMG quoi. Il faut posséder... Oh, mais oui, on va essayer de posséder la poule. Merci lapin, tu as accompli ta mission avec un succès. Ok, ouais, par contre de l'autre côté. Ah, Hiro, je vois que tu t'es préparé. Grave. Je sais que tu es capable d'accomplir cette mission. Tu es le plus jeune, mais en 3 siècles, je n'ai vu aucun ninja présenter un tel talent pour la magie Kuji. Autant dire que le clan est nul. Même si tu débutes tout juste, ton potentiel est immense. Souviens-toi de tes enseignements. Ils te seront d'une aide précieuse. Ma maman, elle me disait que j'étais spécial. Tu dois maintenant descendre la montagne en traversant la forêt de jade. Suis ensuite la route principale qui mène au château. Je crains que ce soit de là que viennent ces étranges samouraïs. Okay. Tu es mon dernier espoir, ninja. L'équilibre de la nature doit être préservé. Et je suis le dernier. Sans lui, tout est perdu. Je suis le dernier parce que je suis le seul qui reste et les autres sont morts. Ouh. Là, il faut la vue. Oh. Ah, c'est chouette. Ah, j'adore. Zzz. Oh la roulade, mon gars. Je suis très émerveillé par plein de choses. Est-ce que je meurs en tombant de là ? À votre avis, sur une note de 1 à 22, est-ce que je meurs en sautant ? Est-ce que je fais une riscouillette in pace en tombant de là ? Là, ici. Bouh ! Attention, pardon ! Avec la pause du MCU ! Tu vois ? Pardon, quoi ! Je vais aller en mission. Non. Oh non, tu m'as vu ! Je voulais faire des trucs avec la boule ! Non, non, non. Ah, je suis coincé ! Non, je veux me mettre dans le renard. Enfin, proportion gardée. Fais voir c'est quoi l'attaque. Tout droit, les ennemis de l'Imperium. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une poule qui traverse le pont. Ça ne peut pas être le plus puissant ninja du village. Le chapeau peut servir de protection contre les flèches. Bah non, il va pas m'attaquer, je suis une poule. C'est une poule qui nous charge. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, non, non ! Non ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi !
J'arrive pas à savoir ce que je ressens. Poulain fille. Avec, chut, chut. Je suis blessé là. On va pas m'embarquer. Ok. Chut, 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 chut. Esquive. J'ai récupéré mon endurance. C'est bon, regardez. Là, je suis. Le petit logo à droite qui dit que je suis un fi. Je suis totalement un fi là. Impossible qu'il me remarque. Impossible. La tension de la scène. Une bande de samouraïs. Une assassin. La menace, la menace. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois qu'on s'approche dans les brumes. Car en vérité, depuis le début, j'étais... Iron le héron. Allez, c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est pour le personnage. Technique de discrétion. Donc on est bien aussi. J'aimerais rentrer dans cette grenouille, reviens! Oh mais le village s'est fait attaquer, c'est impressionnant. En vrai grave. C'est moi ou c'est... Il parle Sims. Est-ce que je peux entrer dans la foule? Ok. Qu'est-ce que c'est quoi l'inquiétude? Jeune ninja, les samouraïs ont attaqué le village. Heureusement, les ennemis de l'autre côté de la rivière n'ont pas l'air bien malins. Alors que moi, devant les escaliers. Ils ont brûlé le pont avant de le franchir, et ils sont maintenant coincés sur la rive opposée. Notre village se fait envahir. Heureusement, les ennemis sont cons. Très bien. Ok. Je fais des moves. J'ai envie de refaire du Batman Arkham Asylum. Oh, le petit renard! Libère-toi! Esquivez. Attaque! Il crie ninja! J'ai pas fait attention. Ah non, je brûle! J'étais là en mode yes, 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 mais je brûle. Ah, il faut que je sois assez proche. Ok. Oui, oui. Oh, j'adore. Ah, j'adore. L'ennemi juré qui crie oui oui oui. Ah j'adore. C'est quoi ce bruit là? Non. Et plus les animaux sont gros, plus ça. Ok. Ok, c'est parti. Les gros animaux comme les ours et les sangliers peuvent attaquer les ennemis. Ouh.
Sélectionne le sort forme spirituelle, utilise-le pour prendre possession. Ouh! Allez! Allez! Je suis là pour vous libérer, les animaux! Oh non non! T'arrives et t'as un saccage. J'ai envie de chanter Galilée Légator. Il arrive, il sème la mort. Non, mais c'est ma pote! Oh, qu'est-ce qu'ils sont cons! Chut, le chat. Ok, ok, ok. Oh, attends, on peut rentrer dans le sanglier aussi? Non. Tu as sauvé Suzume. Tu as sauvé Suzume, sa flûte lui permet de jouer des mélodies enchanteresses qui lui serviront également d'armes. Au revoir, Suzume. Ouh! Allez, respecte-moi! Waouh! Oh! Attention. Ok. Sachant que le boost de vitesse, il fonctionne là aussi. Hein. T'as les ennemis là. Sacrée ambiance. J'ai glissé. Oui, mais j'avais pas vu. Ça ressemble un peu à des escaliers quand même. Voilà, en tout cas, c'était la découverte sur Mini Ninja. On commettra prochainement un autre jeu de ninja. J'espère que ça vous a plu, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, à liker évidemment cette vidéo si ça vous a plu. On découvrira d'autres jeux. Merci.